Bonjour, je m'appelle Gabrielle et je suis interprète au Musée de Saint-Boniface. Aujourd'hui, je vais vous parler de la famille Lagimodière. En 1806, Marie-Anne Gabory prend une décision sans précédent. Elle est la première femme de descendance européenne qui décide de suivre son mari, un voyageur, et de voyager vers l'Ouest. Marie-Anne et Jean-Baptiste Lagimodière, jeunes mariés, quittent le Bas-Canada en début mai 1806 pour un long voyage en canot. Ils n'arrivent pas à leur destination, Pembina, jusqu'au mois d'août de cette même année. Pour les prochaines quelques années, Marie-Anne hiverne au Fort des Prairies, dans la région d'Edmonton d'aujourd'hui, tandis que Jean-Baptiste fait la chasse et la traite. À l'arrivée du printemps, ils suivent les troupeaux de bison et dressent leur tente où la chasse est bonne. En 1812, ils entendent parler d'une colonie permanente à la rivière Rouge de Lord Selkirk. Ils décident d'aller s'établir là-bas. Ils se construisent une petite maison en bois dans la région de Saint-Charles d'aujourd'hui. Au fil des prochaines quelques années, la rivalité entre les deux grandes compagnies, la Compagnie de la Baie-du-Dson et la Compagnie du Nord-Ouest, crée beaucoup de tensions et de problèmes dans la colonie. Tellement qu'on décide que finalement, quelqu'un doit aller avertir Lord Selkirk de ce qui se passait à la Rivière Rouge. Mais à qui pouvait-on faire confiance pour entreprendre un si long voyage? Lord Selkirk était loin, il était à Montréal, et ce voyage allait prendre place dans le milieu de l'hiver. Bien qu'il avait travaillé pour les deux compagnies rivales dans le passé, c'est Jean-Baptiste Lagimodière qui a été choisi pour faire le voyage. Il avait démontré une préférence pour la compagnie de la Baie-du-Dson et des habitants de la colonie dans les dernières quelques années. Il quitte le Fort Douglas le 17 octobre 1815. Avec lui, il a un autre employé de la compagnie de la Baie-du-Dson ainsi qu'un guide autochtone. Après un long voyage d'environ 1800 milles, il arrive finalement à Montréal le 10 mars 1816 pour déposer la dépêche dans les mains de Lord Selkirk. C'est ce geste marquant qu'on peut voir dans cette image qui a été utilisé comme couverture pour le calendrier de la Compagnie de la Baie-du-Dson en 1934. On peut voir Jean-Baptiste Lagimodière qui donne la dépêche à Lord Selkirk. Selon l'histoire orale, ceci aurait été la ceinture que Jean-Baptiste avait portée lorsqu'il a marché à Montréal. Une fois que Lord Selkirk a pu revenir à la Rivière Rouge, il décide de donner un terrain d'environ 20 acres à M. Lagimodière pour le remercier pour son dévouement à la colonie. Ce lot se situe à l'embouchure de la rivière Seine à Saint-Boniface. Aujourd'hui, il y a un parc patrimonial qu'on peut visiter pour commémorer la famille Lagimodière. Cet endroit, au 363 rue Notre-Dame, aurait fait partie du lot original de la famille. Des 8 enfants qu'ont eu Jean-Baptiste et Marie-Anne, l'un d'entre eux, Jean-Baptiste, qu'on surnomme La Prairie, est allé s'établir à la petite pointe des Chênes, qui est maintenant connue comme le village de Lorette. Selon l'histoire orale d'une lignée de la famille, La Prairie aurait reçu cette veste en guise de reconnaissance pour sa générosité envers un groupe de la nation Dakota. Au début des années 1880, alors que les Dakota sont encore persécutés aux États-Unis, un groupe d'entre eux s'enfuyant de l'armée américaine traversent la frontière internationale. De là, ils sont accompagnés par la police montée jusqu'à une des fermes de Lagimodière entre Lorette et Prairie Grove. La Prairie et son fils Elzéor ont la réputation d'être généreux et ils accueillent les Dakota afin qu'ils puissent trouver refuge chez eux. La Prairie leur donne des provisions et une vache à abattre afin de subvenir à leurs besoins. En reconnaissance de son aide et de sa générosité, le chef Dakota nomme La Prairie son frère de cœur et lui offre cette veste perlée. L'acquisition de la veste est possible en 2016 grâce à l'appui du comité du bicentenaire Lagimodière Gabory ainsi qu'un membre de la famille étendue, M. Guy Savoie.